amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour mon haul de soldes de janvier 2019. Sincèrement, j'ai pas grand chose, mais j'ai chez Sephora, H&M et chez Lush, tout en sachant que Lush c'était pas des promos, mais que j'avais envie de repasser une petite commande. C'est vraiment très petit, mais je voulais retester 2-3 produits et peut-être que plus tard je referai une autre commande, on verra bien. Et bah voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Donc c'est parti, on va commencer avec Lush. J'aime trop tous leurs produits, sincèrement, que ce soit pour cheveux, visage. J'ai déjà testé un rouge à lèvres de chez eux. Les boules de bain, n'en parlons pas, mais c'est vrai que c'est pas forcément donné. Et là, en fait, j'avais envie de me racheter des nettoyants visage de chez eux. Donc j'ai pris le, attention, accent anglais, Let the Good Time Rolls, ça va, nettoyant visage et corps. Donc c'est écrit, régalez votre peau avec ce gommage à la polenta exfoliante, à l'huile de maïs hydratante et au popcorn. Donc c'est un petit pot comme ça qui fait 100 grammes. Ce produit a été fait par Anna le 20 décembre et il est bon jusqu'au 20 mars. Donc j'aime trop. Vous pouvez garder vos petits packaging de chez Lush, vous en gardez 5 et vous avez le droit à un masque frais avec. Donc ça c'est cool. Et ça se présente... Ça sent trop bon. Ça se présente sous forme de pâte comme ceci. Donc n'hésitez pas à me suivre dans les vlogs puisque je pense que j'utiliserai lors d'un vlog pour vous montrer. Je l'ai déjà testé, j'avais adoré et donc j'avais hâte de faire cette vidéo pour m'en servir après. Ensuite, le dernier produit que j'ai pris, c'est le Just to Clarify, masque gelé pour le visage. Soyons clairs, la papaye sublime la peau, la racine de bambou l'exfolie et le jus d'orange frais est excellent pour stimuler l'humeur. Donc c'est un petit pot comme ceci qui fait 65 grammes. Donc celui-ci a été fait par Robert le 23 novembre et il est bon jusqu'au 23 mars. Donc en fait c'est tout simplement un nettoyant également visage mais sous forme de gelée, je sais pas si vous allez voir, c'est une gelée. Il sent tellement bon, vous savez que j'aime beaucoup les agrumes, le jus d'orange, tout ça. Donc je pense que ça va être top, c'est un cosmétique frais fait main, c'est Lush hein. Donc pareil, je le testerai avec vous lors d'un vlog. Et je vous en reparlerai. Mais j'aime beaucoup. Chaque produit, je crois, m'a coûté 10,95€. Donc, voilà. Lush, à chaque fois, vous met de super gentils échantillons. Donc, ils m'ont mis la crème de rasage Dirt. Comme ceci. Donc, c'est des tout petits formats. Mais ça suffit. Elle sent plutôt bon. Donc, je l'utiliserai. Et je vous dirai si j'aime bien ou pas. Et ensuite, j'ai eu un petit morceau de savon. C'est le Bohémien. C'est un savon au citron. On a l'impression qu'ils me connaissent chez Lush. Et ça sent le citron. Mais le vrai citron, pas le citron, chimique, quoi. Donc, je suis très contente de pouvoir tester ça. Je voulais vous montrer également dans ce haul. À Noël, je vous avais dit que j'avais eu un parfum par mes beaux-parents, de l'eau de Versalis, et je voulais vous le montrer, c'est le Movia, donc le voici, je l'ai récupéré hier. Donc le Movia, c'est tout simplement le Alien de chez Thierry Mugler, je vous en parle très souvent, je suis contente de pouvoir l'avoir, je vais pouvoir le remettre en route, j'en avais plus, et ça se présente comme ceci, les bouteilles de Versalis, et toutes les bouteilles sont pareilles, mais à l'intérieur, c'est un parfum qui sent trop bon. D'ailleurs, j'ai pas mis parfum. J'en suis mis dans la bouche, je crois. Oh, il sent trop bon. Ça sent vraiment le Alien, donc ça, je suis trop contente. Je vous mettrai le lien du site en barre d'infos si ça vous intéresse. J'avais également eu, ça rentre dans un haul, hein, un bon d'achat de 100€ chez Mati. Je vous l'ai montré dans le vlog de mardi. Je vous le mettrai ici, si j'y pense. Ou ici. Non, ici je crois, on s'en fout, hein, c'est un des deux côtés, je vous mettrai le vlog en fiche. Et j'avais eu un bon de 100€ chez Mati, du coup nous y sommes allés avec Matt. Et il n'y avait pas ce que je voulais, il n'y avait pas ma taille, etc. Niveau bag, du coup on les a commandés au magasin, payés au magasin et on les a reçus à la maison. On y a été le samedi, il était plus de 17h30 et on les a reçus mercredi matin. Donc je trouve que ça a été d'une rapidité super. Donc vous recevez ça dans des petits pochons comme ça, je les trouve pas canon, j'en ai gardé un pour vous le montrer, mais ça fait très cheap je trouve. Par contre les bagues sont très très belles, j'en ai pris 3 qui étaient à 39€ l'unité, et en fait ce sont les mix de chez Mati, ça s'appelle, et j'ai pris ces 3 là,
Donc j'espère que ça va pas être trop flou. Et si, ça va être flou forcément. Ça m'énerve. Bref, donc j'en ai pris une avec une pierre verte, une pierre bleue et un petit strass, l'autre. Donc j'aime beaucoup. Ça faisait 117 euros les trois. Je trouve que c'est assez raisonnable et sincèrement, elles sont canons, elles sont très fines. Je les avais vues sur le site, mais elles ne faisaient pas du tout fines, donc c'est pour ça que je n'avais pas du tout craqué. Mais en magasin, j'ai pu en tester une et c'est vrai que ça faisait fin tout ça, donc j'aimais beaucoup. Donc je vous conseille ce genre de bague. C'est pareil, je vous mettrai le lien et de Mati et des bagues en barre d'infos. Maintenant, on va passer vraiment au véritable solde. Donc j'ai fait que sur internet, j'ai pas été du tout me promener en magasin. J'ai été sur H&M et je me suis repris tout simplement le même jean que je me suis déjà acheté mais que je suis trop bien dedans. C'est un jean, un jegging un peu. Et en fait c'est celui-ci, je vous l'ai déjà montré puisque je l'avais déjà acheté. Et je trouve canon, il est très très resserré, enfin c'est un comment ? Ça a peut-être été écrit pour m'aider. J'ai du mal tantôt. J'ai beaucoup de mal. Je sais plus comment ça s'appelle. Bah mince. Un slim. C'est un slim skinny. Et j'aime beaucoup. Je l'ai pris en taille 52. Et au lieu de 29,99€, il m'a coûté 14,99€ ou 14,95€. Il était en solde. Et je suis très contente. Je l'aime beaucoup ce jean. Et comme je suis confortable dedans, je me suis dit pour 15€, j'allais me le reprendre. Je sais pas si vous êtes comme moi. Quand vous êtes bien dans un jean, moi souvent je rajette le même par la suite parce que c'est très rare que je sois très très bien dans un jean. Donc voilà. Dernier article que j'ai acheté chez H&M, qui est taché d'ailleurs, il va falloir que je la mette en nettoyer. J'ai pris un petit chemisier comme ça, blanc. J'en avais pas et je trouve que pour le printemps, l'été, c'était plutôt pas mal. Donc c'est un chemisier tout simple avec un peu... c'est ajouré quoi, mais je trouve trop trop canon, je trouve très joli. Et ça, je sais plus combien je l'ai payé, je vous le mettrai ici. Je vais vous mettre maintenant la vidéo lorsque j'ai essayé pour vous montrer comment ça m'allait et j'aime beaucoup. J'avais également acheté un body mais il ne me va pas du tout, du coup je l'ai renvoyé. Je me rachèterai quelque chose, je sais pas s'ils remboursent ou s'ils font un avoir, je sais plus du tout. Bref, je vous mets maintenant la vidéo de l'essai. Sur le site, il n'y avait pas tant de choses que ça qui me plaisaient, donc bon. Ensuite, le dernier truc, Sephora. Comme si la nana en avait besoin, mais j'avais des cartes cadeaux, du coup, je les avais gardées exprès pour les soldes. Et donc, je les ai utilisées sur des produits que j'aimais plutôt bien. Tout d'abord, j'ai craqué sur un lot de Melted Matte de chez Too Faced. Alors, ils envoient ça dans ce genre de pochette. Oui, pourquoi pas. Mais ça fait pas du tout Too Faced, quoi. J'aurais cru que ça allait être dans un petit packaging carton Too Faced. Enfin, bref. Donc ça, c'est pareil. C'était 29€, il me semble. Pareil, de toute façon, je vous mettrai les prix ici parce que je suis une catastrophe. Donc, ce sont trois melting mats que je n'avais pas. Et donc, ça, c'est le Queen Bee. Celui-ci, je vais vous faire des swatchs. Hein. Le Queen Bee. Celui-ci, c'est le Why Not. Donc, vous le voyez, il est un peu marron, mais il est plutôt violet, violacé. Et celui-ci, c'est le Holy Chic. Donc, celui-ci est très, très clair, mais je l'aime bien quand même. Donc, on va commencer les swatchs. Donc, c'est ceux-là. Moi, je les aime trop, ceux-là. J'en ai un ou deux. Donc, je vais vous faire un swatch. Donc, celui-ci est un nude beige très, très clair. Beige rosé.
Mais pour essayer le rosé. Mais bon, il est canon quand même. Ensuite, le Why Not, qui est très violacé, violacé rose. J'aime trop celui-ci. Il est trop canon. Donc, c'est avec des embouts mousse. Bélanie, si t'as du monde après, tu te fais des swatchs. C'est dommage, vous le voyez hyper foncé. J'essaierai de vous faire une photo Insta pour vous montrer la vraie couleur. Et donc celui-ci, le Queen Bee, qui est un rose nude. Hein. Moi, j'aime bien ce genre de couleur. Et je sais qu'ils tiennent bien. Donc, il est juste ici. Il est trop canon, celui-ci. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il me fait penser... Ça se trouve, c'est cette couleur-là. Je crois pas. Attendez, je le sors. Hop. C'est le fig. Il me fait penser carrément au fig, en fait. Et j'aime beaucoup le fig, donc ouais. C'est pour ça que je l'aime. Ensuite, pareil, en promo, ça fait trop longtemps que je veux tester. Du coup, je l'ai vu en solde, je l'ai pris. C'est de chez Boschia. C'est la boule de gelée nettoyante au charbon. Vous savez que j'adore tout ce qui est nettoyant, exfoliant visage, tout ça. C'est pour ça que j'ai craqué chez Lush et j'ai pris ça. C'est pareil, je pense que je vous le montrerai lors d'un vlog. Je trouve l'ouverture, tout ça, je vous la montrerai en vlog parce que je trouve ça hyper sympa, hyper ludique. Et depuis le temps que je veux le tester, je sais que c'est une très bonne marque qui est très très bien notée. Je vous mettrai ici une capture d'écran de la notation sur Ixi, ça s'appelle Insi, Insi Beauty. Bref, je vous mettrai la capture d'écran, mais je sais que c'est très très bien noté. Donc je suis ravie de l'avoir eu en solde. Et pour finir, oui oui pour finir, vous avez bien entendu, je n'ai rien acheté d'autre. J'ai pris encore un lot de rouge à lèvres de chez Kat Von D qui se présentait comme ceci. Au lieu de 40 euros, je crois qu'il était à 20. Et je trouve trop canon. Donc là, je ne vais pas vous faire forcément des swatchs. Je vais vous faire une photo Insta parce que je trouve que ça vaut vraiment une photo Insta. Mais je les trouve trop jolis. C'est des mini rouges à lèvres. Je vais vous montrer quand même comment ils sont. Hop. C'est des mini rouges à lèvres comme ceci. Ils sont trop jolis. Les packagings sont canons. Donc voilà ce que je me suis pris. Dedans, il y a 6 teintes. Ouais. Et vous voyez, ça va vraiment du marron au plus nude, rosé, violacé. Enfin, bref, j'aime trop. Ça fait un moment que je lorgnais dessus. Donc, je suis très contente de l'avoir trouvé en solde. Donc, voilà pour ma vidéo solde. Vous voyez, je n'ai pas craqué de ouf comparé à d'autres vidéos soldes que j'ai pu vous faire. Après, je ne vous dis pas, hein, les soldes ne sont pas terminés. Donc, on ne sait jamais. Mais déjà, je suis très, très contente de mes achats. Et avec le calendrier de l'Avent que j'ai eu par Justine, j'ai eu beaucoup, beaucoup de produits à tester. Je pense que c'est pour ça aussi que je me suis calmée. Et sincèrement, tout ce que j'ai acheté, c'était avec des cartes cadeaux, que ce soit Sephora ou H&M. Et j'avais pas forcément envie de dépenser de l'argent là-dedans. On part au mois de février un week-end. Je pense qu'on va partir aussi en pleine semaine. Comme on a une semaine ensemble, je pense qu'on va partir un petit peu. Et puis, on a d'autres achats pour le mois de mars à faire. Mais ça, je vous en reparlerai plus tard. Donc, c'est pour ça que je n'ai pas non plus trop, trop craqué. Donc, voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi, vous, en commentaire, si vous avez énormément craqué chez Sephora. Parce que c'est le truc, sincèrement, qui m'intéresse le plus. Et pourquoi pas niveau mode, grande taille. Si vous faites un 36, c'est pas que ça m'intéresse pas. C'est que, bah, je pourrais pas aller voir parce que ça ne m'ira pas. Bref, je vous envoie plein, plein de bisous. Et je vous dis à très, très vite.